Moi, je suis un bouilleur ambulant. Je suis pas le bouilleur de cru, hein, je suis le bouilleur ambulant. Mon grand-père le faisait, mon père l'a fait. Puis moi, pour l'instant, je continue. Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un derrière moi, c'est peut-être pas oublié. C'est même pensé, ou à moins que je trouve à vendre mon fond. J'ai mis du fagot, comme d'habitude, comme un vieux fagot, comme dans le temps. On n'a pas changé la méthode. On va peut-être fumer un peu, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis pas comme moi, je suis réellement à l'ancienne. Ah non, c'est genre, j'ai décidé de faire le con, ce con. Mais des fois, on en met 110, 120 kilos. On récolte les fruits en fin de saison. On récolte les prunes au mois de septembre-octobre. On les met fermenter. Vous les mettez fermenter dans un tonneau, hein, comme on dit. Après, une fois fermenté, il faut quand même un mois et demi de fermentation. Bon, c'est-à-dire que normalement, je suis un builleur ambulant. C'est-à-dire que je pourrais me déplacer. Dans chaque pays. Mais je le fais pas parce que c'est tout le bordel, il y a trop de boulot. Il faut emmener les alambis, les caler, les remettre l'eau, vider les réfrigérants, remettre l'eau dessus, c'est trop de boulot. Bon, les gens m'amènent des fruits, moi, ils me les amènent là, et c'est tout. N'importe qui peut venir. N'importe qui. Tout le monde peut venir, comme ils veulent. Tout le monde a le droit de distiller. Oui, mais on paye au degré, si vous voulez. Bon, en général, ici, on sort à 50. On la sort à 50, c'est tant du litre. On prend tant du litre. Je fais mon joint d'étanchéité, comme ça. Je le mets dessus. Voilà. Je la dilue. C'est de la farine. Mon étanchéité là, tout autour. Et maintenant, on attend que ça chauffe et que ça coule. La vapeur monte. Bon, elle passe là. Elle monte là. Elle redescend. Par le chapiteau, le col de cygne, elle prend le serpentin, et là, j'ai un réfrigérant, ça s'appelle, donc ça refroidit, ça recondense la vapeur, et ça ressort là. Si ça vient, laquelle arrive là. Quand on le met dedans, on n'en sait rien. Si ça ne fermente pas, si ça n'a pas un ferment, parce que le ferment se fait pendant un mois et demi, deux mois, si ça ne se fait pas, ça ne peut pas sortir. Hein. Ah ben, suivi, c'est pas les... Parce qu'on amène des fruits qu'on fait de l'eau de vie. Hein. Bon, ça va couler, ça, ou ça ne coule pas? Mon grand-père est agriculteur. Il s'est un peu gnaud l'hiver, pareil que moi je fais. Mon père a continué. Bon, pendant. Puis moi j'ai repris derrière. Ben, je suis né en 1948, ça veut dire pas l'âge 2. En 48. On a commencé l'école à 5 ans, à Saint-Branchet. On partait d'ici à pied. Oh, ben, on partait d'ici à 8h30 le matin, 8h, même pas 8h. On allait à l'école à 9h, hein, fallait commencer. On partait d'ici à 8h15, 8h30. Hein. Bon, putain, bon. Il y a quand même 2 km. Hein. Bon, on prenait la route normale, bon, mais de temps en temps, on prenait un peu les petits chemins, comme tous les gamins ont fait, hein, comme tout le monde a fait. Ma mère l'a fait, mon père l'a fait, hein. On allait à pied, hein. On emmenait la gamelle, on emmenait tout. Hein. On emmenait la gamelle qu'on faisait réchauffer sur le poêle à l'école, hein, le midi. Alors donc, un casse-croûte, une petite gamelle, un petit chaudron qu'on faisait chauffer. Hop, on avait avec ça un petit morceau de pain, un bout de chocolat, puis... Ça passait la journée, c'est tout. Bon, c'était comme ça. On rentrait le bois. Ça, c'était la tradition des gamins, ça. Ça fallait rentrer le bois pour le lendemain. Ça, c'était... Bon,
Quand on rentrait de bonne heure, bon, quand les beaux jours, on allait des fois chercher les vaches, les vaches qu'on tirait, on trayait le soir. Hein. Bon, c'était ça, c'était le boulot des gamins, ça. Ben, j'ai commencé chez un maréchal ferrant, à Corée-les-Tombes, chez M. Soupeau à Corée. Pierre Soupeau, on l'appelait. Bon, j'ai fait mon apprentissage là, hein, maréchal ferrant, c'était déjà la fin. Hein. C'était le début du matériel, des tracteurs. Hein. Bon, à la fin, on a fait plus de tracteurs que de... On ferait quand même des chevaux, hein, parce qu'il y en avait encore. Hein. Une fois mon apprentissage fini, bon, je suis revenu à la ferme. Bon, après, bon, je suis parti à l'armée, comme bien entendu, comme tout le monde. Je me suis trouvé infirmier, ça va bien avec mon métier. C'est-à-dire qu'ils appelaient ça les IBS, infirmiers, balayeurs, serpilleurs. Après l'armée, je suis revenu là, mais je suis toujours resté là. Il fallait soigner les lapins, il fallait soigner les volailles, il fallait aider à soigner les vaches. Parce que l'hiver, il fallait les sortir boire quand elles étaient à l'étable. Alors on les montait boire les abreuvoirs qui sont là, là en bas. Bon, au début, je faisais des vaches à lait. Puis bon, les vaches à lait, c'est quand même une astreinte. C'est deux fois par jour, fête et dimanche. Alors j'ai arrêté ça. Je me suis remis au charolais. Bon, fallait faire son boulot avec les vaches. Fallait soigner les vaches le matin avant d'allumer. Parce qu'on ne peut pas allumer, être là et soigner des vaches. Hein. Oh, j'ai pêché, j'ai chassé. J'ai un peu tous les défauts. Bon, l'hiver, quand il y avait de la neige, bon, on était là. Et mon père, quand on faisait de la goutte, me rappelle dans le temps. Quand il y avait de la neige, moi, je partais tous les matins. Bon, on faisait le boulot à la ferme. On donnait à manger aux vaches le matin. On allumait la lambie. Bon, mon père restait là. Moi, je partais faire les pieds, qu'on appelait ça, dans la neige. Alors, on repérait une marthe, un renard, et on essayait de le cerner. Ça s'appelle cerner, comme maintenant les sangliers. Pareil, on cernait des martes et des renards. Hop. Et l'après-midi, hop, on allait essayer de les tuer, parce qu'à ce temps-là, on vendait des pots de renards. Moi, je parle des années 60, ouais, 75, ouais, 60, même après, même des années 75 à peu près. On vendait des pots de renards qu'on mettait sur des planches pour les mettre sécher, et on vendait ça 250 francs. Ah oui, hein? Ah oui, oui, 250 balles, 250 francs, hein. Jusqu'à 300 balles des pots de marthe. De toute façon, hein, quelqu'un ne peut pas reprendre avec du matériel comme ça. C'est trop de boulot. Attention, hein, c'est usant. Hein. Faut que je vende. On ne peut pas en hériter. Moi, j'ai eu la chance, quand je me suis installé, c'était la limite. Ouais. J'ai eu le droit comme ça. Il faut déclarer nos stocks. On est obligé de les déclarer. Alors, lui, il n'avait pas fait. Il était un contrôle là-haut. Prix. Donc, il était deux ans d'arrêt. Je pense que de famille en famille, on devrait en hériter. Mais non, c'est plus comme ça. Maintenant, il faut vendre. On va y aller. La journée doit être finie. Je pense qu'on va y aller.